Ce pilier nous rappelle qu'en 1866 fut construite l'école de Gonneville-sur-Merville qui devient Gonneville-en-Auge le 9 janvier 1965. La classe de 1933 et 1938. Le pupitre avec ses encriers qui était rempli d'encre violette par l'instituteur pour écrire au porte-plume sur le cahier du jour, l'on remarque les pleins et les déliés. Le bon point et la croix d'honneur pour les bons élèves ou le bonnet d'âne pour les mauvais. Après le débarquement 1944-45, l'école fut installée dans une maison rue de la Croix-Bazin et qui faisait en même temps office de mairie. Ensuite, on a construit un baraquement à côté de dans cette même rue et je suis allée à l'école pendant quelques années dans ce lieu et ensuite on a transféré l'école dans la salle du presbytère et vu que l'école n'était pas encore reconstruite on a dû à l'arrivée de toutes les naissances de 1945 remettre un baraquement sur le territoire de la nouvelle école qui était en construction. En 1998, à la suite de la fermeture de l'école, M. François Toto, fondateur de la communauté de communes Cabaleur, eut l'idée de transformer l'école en un lieu d'apprentissage des multimédias et du théâtre. On peut dire qu'à ce moment-là, la création de ce qu'on appelait à ce moment-là le CRP, le Centre Ressources Pédagogiques, a répondu à deux données, une certaine vision de l'avenir de l'enseignement que je me faisais, et puis une opportunité, qui était la création de Cabaleur. Le but, c'était d'apprendre à acquérir l'information, premier point. Deuxième point, se l'approprier, se l'assimiler, la faire sienne. Et troisième point, parce que sinon le deuxième ne servirait à rien, communiquer, partager. C'est ça le trépied sur lequel j'ai souhaité qu'on puisse réaliser ce centre. Nous avions un bâtiment, nous avions une idée, nous avions une volonté. Quand on a ça, eh ben, on se débrouille, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.